programme de la semaine. Chaque semaine, nous vous proposons différents rendez-vous pour demeurer dans la présence de Dieu. Nous nous retrouvons chaque mardi à 19h pour nos études bibliques. Durant ces temps, nous entrons dans les profondeurs de la parole de Dieu pour entendre sa voix et connaître sa volonté parfaite. Chaque premier mercredi du mois, installez-vous confortablement en famille devant vos écrans pour suivre notre émission « La voix de la famille ». Avec différents experts et intervenants, nous discutons de sujets de société et de la place que tient le Seigneur dans notre vie de tous les jours. Le vendredi est une journée de jeûne et de prière. Nous nous retrouvons de 5h à 6h pour une dévotion matinale qui se fait par téléphone. Ensuite, nous passons des moments de prière intense dans la chambre haute qui se fait en deux sessions, de 12h à 14h et de 15h à 17h. Enfin, nous nous retrouvons à 19h pour notre culte d'intercession où nous passons un temps d'exhortation et de prière pour clôturer cette journée. Que vous soyez homme, femme, jeune ou même adolescent, différents événements sont organisés les samedis. Restez connectés pour ne pas manquer ces réunions. La semaine se termine avec notre culte dominical. Venez célébrer le Seigneur avec nous chaque dimanche de 10h à midi. Nous sommes une église rayonnante, vivante, mais aussi connectée. Afin de suivre les actualités et la vie de l'église, nous vous invitons à vous abonner à nos pages YouTube, Facebook et Instagram, dont les adresses s'affichent sur votre écran. Regarder à Dieu. Est-ce que nous pouvons tourner nos regards vers Dieu ce soir? Simplement commencer à le contempler. Là où tu vas simplement le contempler. Le contempler. Est-ce que tu peux le contempler simplement? Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons là simplement le contempler, le contempler, le contempler là où nous sommes? Contempler ce soir. Nous voulons simplement te contempler ce soir. Tout est pour toi, Jésus.
Ces faibles mots encore sont pour toi, Jésus. Ces chants encore sont pour toi, Jésus. Ces mains levées encore, mon Dieu, qui sont levées vers toi encore, en signe d'adoration, en signe d'adoration, Dieu. Vas-y, cherche encore Dieu, simplement nous le contemplons ce soir. Ce soir nous le contemplons simplement. Atmosphère chante, que l'atmosphère.
Change. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh,
t'élever simplement avec tes mots. Nous t'élevons plus haut, Seigneur. Nous t'élevons plus haut ce soir. Nous t'élevons plus haut ce soir. Plus haut que tout, Seigneur. Plus haut que tout, Seigneur, ce soir. Plus haut que tout, Seigneur, ce soir. Plus haut que tout, ce soir, nous venons t'élever. Maradi male o sabde ne carretori ame. Ce soir, nous t'élevons au-dessus de toutes choses, ce soir. Ce soir, nous t'élevons au-dessus de toutes choses, ce soir. Oui, ce soir, nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Sois élevé. Merci pour ta présence, ce soir. Merci pour ta présence, ce soir. Merci pour ta glorieuse présence, ce soir. Merci pour ta glorieuse présence dans nos vies. Merci parce que tu nous accompagnes. Oui, comme David, nous voulions dire, oui, voyons-nous, loin de ta face. Merci pour ta présence. Merci pour ton ciel que tu laisses ouvert pour nous. Tu as dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Merci parce que le ciel est ouvert en notre faveur. Merci parce que ton ciel est ouvert en notre faveur. C'est pourquoi nous t'élevons plus haut ce soir. C'est pourquoi ce soir nous t'élevons plus haut que toute chose. Plus haut que tout ce soir. Que la babo si apte de l'éve carrem da 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 maya. Plus haut que tout, Seigneur. Oh, 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 nous t'élevons plus haut, chakalabaye. Robo sade anka da da maya. Ce soir, plus haut que toute chose. Plus haut que tout, Seigneur. Plus haut que tout, Seigneur. Et la manda là-bas, Seigneur, nous t'élevons plus haut. Ce soir, nous t'élevons plus haut. Ce soir, nous t'élevons plus haut, ce soir. Ce soir, nous t'élevons plus haut, Seigneur. Nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Oh, Jésus, nous t'élevons plus haut.
quelques instants, j'aimerais que tu puisses commencer à adorer Dieu. J'aimerais que tu commences à adorer Dieu. Lorsque nous parlons de l'adoration, c'est le fait de glorifier Dieu pour ce qu'il est. C'est le fait de glorifier Dieu pour ce qu'il est. Et vous savez, lorsque l'on glorifie Dieu pour ce qu'il est, il faut emprunter ses propres mots. Il faut emprunter sa propre expérience avec Dieu. Il faut utiliser des mots qui viennent de notre propre expérience avec Dieu. Ainsi, ce soir, si tu dis que Dieu est plus haut, tu es conscient qu'il s'est élevé au-dessus de quelque chose dans ta vie. Ainsi, ce soir, si tu dis qu'il est ton Père, tu es en train de dire que Dieu, je n'ai peut-être pas un Père à mes côtés, mais tu es mon Père. Ainsi, ce soir, tu peux le dire peut-être comme une femme qui aurait peut-être perdu son mari et dire, ah, tu es le mari des veuves. Tu es celui qui est à mes côtés. Quelqu'un peut dire peut-être ce soir, tu es le Dieu de ma vie. Je ne sais pas, mais est-ce que ce soir, tu peux utiliser tes propres mots, dire à Dieu ce qu'il est pour toi et l'adorer. Simplement l'adorer avec tes propres mots. Marablos. Ah, je ne sais pas ce qu'il représente pour toi ce soir, mais j'aimerais que tu l'utilises tes mots pour dire à Dieu ce qu'il est pour toi. Il est peut-être un pourvoyeur. Il est peut-être celui qui pourvoit. Il est peut-être celui qui prend soin de toi. Ah, tu t'es rendu compte peut-être que dans ta vie, il n'y avait personne pour pourvoir à tes besoins. Mais chaque fois, tu ne sais pas comment la main de Dieu t'a soutenu. Tu ne sais pas comment. Peut-être que tu n'avais pas les moyens même pour pourvoir aux besoins de ta famille. Mais à chaque fois, à n'importe quel moment, tu as vu la main de Dieu. Tu as vu la main de Dieu. Tu as vu la main de Dieu. Tu t'es rendu compte que peut-être dans tes études, ça n'allait pas. Mais chaque fois, il y a eu comme un signe. Il y a eu comme quelque chose qui s'est fait. Il y a eu comme un bouleversement. Et ce soir, tu veux dire que Dieu est celui qui prend soin de toi. Je ne sais pas quel mot tu veux utiliser ce soir. Mais utilise tes propres mots et commence à adorer Dieu. Madame, s'appelait les gars. Oh, ce que tu représentes pour moi est bien plus que des mots. Ah. Ce que tu représentes pour moi est bien plus que des mots. Bien plus que des mots ce soir. Oh, c'est pourquoi je t'élève. J'aime dire que tu es plus haut élevé. Tu es plus haut élevé. Plus haut, plus haut, plus haut. Les mots ne suffisent pas pour dire ce que tu représentes. Les mots ne suffisent pas. Maramos, j'étais à l'hôpital. J'étais sur une chaise roulante. Mais tu m'as guéri, Madame Chatalabaya. Père, j'étais sur une chaise roulante. Et tu m'as guéri. Père, lorsque mes os se sont déplacés dans mon corps, Père, tu es celui qui a restauré Mado Chaplin. Marebla et Fa. Keroblo Sepi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce soir j'aimerais te glorifier. Ce soir j'aimerais te glorifier pour ce que tu es pour moi. Tu es mon guérisseur. Père, d'autres ont recours à des marabouts, à des fétiches, à autres. Mais moi j'ai recours à l'Éternel. Madame Chatalabaya. Père. Peut-être que quelqu'un est en train de dire, tu es celui qui a pris soin de mes enfants. Je n'étais peut-être pas là avec eux à l'école, lorsqu'ils étaient confrontés à telle chose. Mais tu as été avec eux, et tu les as soutenus. Et aujourd'hui, je vois ta grâce. Il y a quelqu'un qui est en train de prier comme ça. Est-ce que quelqu'un peut prier encore même, en train de dire à Dieu, peut-être, je ne suis pas là, toujours à côté de mes enfants. Mais tu es celui qui les préserve. Qui les protège, qui les garde. Quelqu'un peut dire, je n'ai peut-être pas la main sur toutes mes finances, mais je sais une chose, c'est qu'à la fin de chaque mois, je ne manque de rien à cause de toi. À cause de toi, Marablo, c'est la réblaye, des failles, des sons. Ce soir, nous venons te glorifier. Ce soir, Père, te glorifier au-dessus de tout. Abababo, c'est clé. Merci ce soir. Merci oh Dieu, parce que tu as pris soin de nous. Quelqu'un peut dire à Dieu, je ne te connaissais pas. Je vivais dans le monde, mais tu t'es révélé à moi comme mon sauveur. Ah. Quelqu'un peut dire, tu es mon sauveur. J'étais dans le monde, j'étais perdu. J'étais dans tel péché. J'étais dans telle chose. Le monde m'avait gardé. Le monde était en train de m'engloutir. J'étais dans les ténèbres.
mais tu es paru. C'est pourquoi je t'appelle ma lumière. C'est pourquoi je t'appelle la lumière du monde. Je ne le dis pas simplement parce que je l'ai lu dans les Écritures, mais je le dis parce que tu m'as éclairé. Lorsque j'étais dans les ténèbres, une grande lumière est apparue et m'a éclairé. Oui, tu m'as éclairé, ô Dieu. Tu m'as éclairé de ta lumière. Tu m'as éclairé par ta lumière. Alors que les ténèbres m'avaient emprisonné, alors que j'étais emprisonné par les ténèbres, tu nous as guéris, tu nous as ramenés à la vie. Oui, je peux le chanter, je peux le chanter. Tu m'as ramené à la vie, tu m'as rendu très heureux, tu m'as rendu très heureux, tu m'as ramené à la vie, tu m'as rendu très heureux, tu m'as rendu très heureux, et tu m'as ramené à la vie, tu m'as ramené à la vie, ma roblo sebla, kerama dalobose. Oh barabo shaita. On a l'habitude de le chanter avec des réjouissances, mais j'aimerais que nous puissions le chanter dans cette atmosphère. Dans cette atmosphère, le chanter ensemble. Oh, tu m'as ramené à la vie. Oh, tu m'as rendu très heureux. Oh, tu m'as beaucoup béni. Oh, et c'est seulement par ta grâce. Est-ce que nous pouvons être conscients alors que nous chantons ces paroles? Est-ce que nous pouvons le dire? Tu m'as ramené à la vie. Oh, tu m'as rendu très heureux. Oh, tu m'as beaucoup béni. Oh, et c'est seulement par ta grâce. Le chanter encore, vous savez, on a l'habitude de chanter ce chant tout en étant plus conscient du rythme et de la musique, mais c'est des fortes paroles qu'on est en train de chanter et de déclarer. J'aimerais qu'on puisse le chanter encore de tout notre cœur et vraiment déclarer ces paroles. Tu m'as ramené à la vie. Oh, tu m'as rendu très heureux. Oh, beaucoup béni. Oh, et c'est seulement par dis-le encore. Oh, tu m'as ramené à la vie. Quand j'étais mort, tu m'as ramené à la vie. Quand j'étais mort, tu m'as ramené à la vie, Seigneur. Tu m'as rendu très heureux. Et, oh, oh, tu m'as beaucoup. Et c'est seulement par ta grâce. Alabashatabaya. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles ensemble alors que nous venons prier. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 103. Psaume chapitre 103, le verset 3. Ce soir, si je pourrais donner un thème alors que nous venons prier, des guérisons de toutes guérisons. Excusez-moi. J'ai donné comme ça là, aux médias des guérisons générales. Guérisons générales. Psaume 103, le verset 3. Je lis au nom de Jésus, la Bible dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Et ce soir, j'aimerais prier que nous puissions prier dans ce sens. On nous dit guérir toutes tes maladies, c'est qu'il y a plusieurs types de maladies.
Il y a plusieurs types de maladies, que l'on peut rencontrer. Et alors que je vous préparais ces moments, je cherchais justement une définition de la maladie. Et j'ai vu cette définition que Larousse propose. Il dit, une définition de la guérison. Lorsque nous parlons de la guérison, nous parlons de disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur. Quand nous parlons de guérison, nous parlons d'un retour à la guérison, d'un retour à l'état initial en fait, un état de santé antérieur. Lorsque nous parlons de guérison, on parle de l'absence totale, de la disparition de tous les symptômes. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions prier dans ce sens. Nous allons prier pour la guérison. Nous allons prier pour la guérison et je vais nous donner plusieurs types de prières, mais nous prions exactement pour la guérison ce soir. Et le premier type de prière, nous sommes dans le livre de Jacques chapitre 5, le verset 16. Jacques chapitre 5, le verset 16. Je lis au nom de Jésus rapidement. Jacques chapitre 5, le verset 16, la Bible déclare « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » On peut s'arrêter là même. Il dit « Afin que vous soyez guéris. » Afin que vous soyez guéris. Et la version ici qui nous est envoyée, c'est « Qui guérit... » Non, c'est pas cette version, excusez-moi. « Afin que vous soyez guéris. » Nous allons prier dans ce sens. J'aimerais que nous puissions prier les uns pour les autres. Nous allons faire ce premier type de prière. Nous allons prier pour nos frères et sœurs. Il y a quelques dimanches, nous avons prié ici pour plusieurs personnes qui sont venues devant, disant qu'ils étaient malades, reconnaissant qu'ils étaient malades. Et nous allons prier dans ce sens. Nous allons prier. La Bible déclare, faites ceci, confessez les péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble et commencer à prier maintenant pour nos frères et sœurs qui sont guéris? Peut-être que tu connais une personne qui est malade maintenant, mais tu vas élever ta voix et prier pour la guérison totale. Nous avons dit la guérison, c'est l'absence, la disparition de tous les symptômes. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix maintenant? Élever ta voix, commencer à prier pour la guérison. Père, nous prions maintenant pour la guérison. La guérison, Père, la guérison de nos frères et sœurs, Père, qui se retrouvent encore malades. Ce soir, Père, nous sommes venus prier, Père, pour ceux qui sont encore malades, ceux qui sont malades aujourd'hui. Père, nous sommes en train de prier. Nous prions, Père, nous venons déclarer, Père, la guérison de nos frères et sœurs qui sont encore malades. Père, tu as dit prier les uns pour les autres. Tu as dit prier les uns pour les autres. Ce soir, nous sommes venus, voilà, concentrer nos prières pour ces personnes qui se retrouvent à être malades. Nous sommes venus, Père, concentrer nos prières afin de prier, Père, pour ces personnes qui sont malades, Père. Père, aujourd'hui, Père, combien de personnes sont malades dans le monde? Voici, nous sommes en train de prier ce soir. Voici, nous sommes en train de prier ce soir. Que tu guérisses, Père. Que tu guérisses, Père. Que tu guérisses, Père. Ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades. Béro, Châtelet-Lébé, Maïecha. Père, ceux qui sont malades ce soir. Nous venons te prier ce soir de les guérir dans le nom de Jésus. De les guérir dans le nom de Jésus. De les guérir dans le nom de Jésus. Père, nous venons prier. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 10, tu dis dans ta parole, allez et guérissez. Tu dis, allez et guérissez tous ceux qui sont malades. C'est pourquoi, Père, nous déclarons la guérison, Père, de tous ceux qui sont malades dans cette église. Nous venons déclarer la guérison, Père, de tous ceux qui sont malades. Père, nous venons te prier, Père, pour ces hommes et ces femmes qui viennent jour et nuit, qui viennent dans ta présence, mais qui se retrouvent à être encore malades. Mais Rebosa, Cheblaï, Père, nous venons prier, Père, que tu puisses les guérir, 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 Père, qu'ils soient guéris. Ah, quelqu'un en train de prier. Nous prions pour la disparition de tous les symptômes. La disparition de tous les symptômes. La Bible déclare, je suis l'Éternel Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. C'est pourquoi ce soir nous venons prier, Père, que tous ceux qui sont malades, que tous ceux qui sont malades se retrouvent guéris, se retrouvent à être guéris, se retrouvent guéris au nom de Jésus.
guéris au nom de Jésus. Guéris de toute forme de maladie. Je prie contre toute forme de maladie. Que ce soit, Père, ceux qui sont diabétiques. Que ce soit, Père, ceux qui ont des problèmes dans les muscles. Je prie au nom de Jésus. Que tu viennes guérir au nom de Jésus. Peu importe, Père, peu importe cette maladie. Nous prions et nous déclarons la guérison. Nous prions et déclarons la guérison ce soir. Père, Père, nous venons prier pour ceux qui sont malades. Ah, la Bible déclare, faites toutes sortes de prières. Et ce soir, nous sommes venus prier pour ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades, ceux qui sont malades. Peut-être tu connais autour de toi une personne qui est malade, un frère, une sœur. Peut-être un ami, un proche. Ce soir, nous sommes venus prier pour eux, les recommander à la grâce de Dieu. Oui, ce soir, Père, nous venons prier qu'une onction de guérison ce soir. Qu'une onction de guérison soit libérée ce soir. Qu'une onction de guérison soit libérée ce soir. Qu'une onction de guérison soit libérée ce soir. Marable soclerabe. Marebla seclabayanda la bachaya. Oui, Père, que tous ceux qui sont malades, que tous ceux qui sont malades se retrouvent à être guéris. Se retrouve guéri au nom de Jésus. Nous prions pour la guérison Père, la guérison Père, la guérison face à toute forme de maladie. La guérison ô Éternel, face à toute forme de maladie. La guérison Seigneur Dieu, la guérison Père, viens, viens, tu es celui qui nous guérit de nos maladies. Tu es celui qui nous guérit, je ne sais pas quelle est la maladie Père, qui emprisonne mon frère et ma sœur. Mais je prie Seigneur que tu le fasses. Père, pour certains, c'est peut-être comme cet homme qui est à la piscine de Bethesda. Ça a duré du temps, ça a duré 38 ans. Mais tu restes celui qui nous guérit de toutes nos maladies. C'est pourquoi un jour la Bible déclare que tu es venu vers cet homme et tu lui as dit « Je veux que tu sois guéri ». Tu as dit « Je le veux, sois guéri ». C'est pourquoi je prie ce soir. Puisque c'est ta volonté, puisque c'est toi qui nous guéris de toutes nos maladies, ce soir guéris-nous. Ce soir guéris-nous. Ce soir guéris quelqu'un. Ce soir guéris quelqu'un qui est malade. Envoie ta pluie de guérison. Envoie ta pluie de guérison ce soir. Envoie ta pluie de guérison ce soir. Oh, open the floor of heaven. Marabosa. Envoie ta pluie. Oh, envoie ta pluie. Oh, ouvre les écluses des cieux. Envoie ta pluie. Nous sommes en train de prier dans le nom de Jésus. Pas la bachaille. Père, nous prions pour la guérison. La guérison de tous ceux qui sont malades. Père, je ne sais pas s'il s'agit peut-être d'une fracture. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui emmène la guérison. Instantanément. C'est pourquoi fais-le ce soir. Envoie ta pluie, Galabashat. Reblos. Ta pluie de guérison. Marablos, c'est là-bas. Guéris, Père. Guéris, Seigneur mon Dieu. Malabashatabaye. Marablos, c'est Kerabos. Ouvre les écluses des cieux. Envoie ta pluie ce soir. Kolobashatabaye. Ah, merci Seigneur. Nous allons prier, toujours alors que nous prions pour la guérison.
Alors que nous prions pour la guérison, vous savez, la guérison se manifeste toujours dans plusieurs formes. Il y a plusieurs formes de guérison. La guérison, lorsque Dieu la manifeste, elle se manifeste sous plusieurs formes. Autant on retrouve plusieurs types de maladies, lorsque la guérison se manifeste pour Dieu, elle vient aussi sous plusieurs formes. Et parmi ces formes où Dieu amène la guérison, c'est des fois de délivrer du péché. C'est de délivrer du péché. C'est comme ça que certaines des fois, vous verrez que dans la Bible, Christ parle à quelqu'un qui est malade et il lui dit, alors que cette personne est malade, il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. C'est pourquoi là où nous sommes, j'aimerais que nous puissions prier maintenant pour le pardon des péchés. Le passage que nous avons lu ici, il dit, confessez vos péchés les uns les autres. Mais il nous invite aussi à prier dans ce sens, à prier pour le pardon des péchés. C'est pourquoi nous allons prier maintenant pour la repentance. Nous allons prier pour la repentance. Là où il y a l'abondance du péché. Nous voulons prier qu'il y ait l'abondance de la grâce. Nous voulons prier en fait pour le pardon des péchés. Nous voulons prier pour la miséricorde de Dieu. Nous voulons que Dieu pardonne les péchés. Nous voulons prier pour son église. Prier pour nos enfants, nos frères et sœurs, ceux qui sont à nos côtés. Nous voulons prier que Dieu pardonne les péchés. Est-ce que nous pouvons élever nos voix là où nous sommes? Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Prions que Dieu pardonne les péchés. Ah, il a dit oui. Il a demandé, il veut justement que nous puissions prier dans ce sens. Prier pour le pardon des péchés. Prier pour le pardon des péchés. C'est pourquoi sur la croix, il dira au Père, Père, pardonne-leur leurs péchés. Il a dit, Père, pardonne-leur leurs péchés. Il a prié dans ce sens. Il a dit, Père, pardonne-leur leurs péchés. C'est pourquoi ce soir, nous aussi, nous voulons faire ce type de prière. Nous voulons demander à Dieu qu'il pardonne les péchés. Qu'il pardonne les péchés. Maré, blau, sepla et les caves. Oui, nous voulons prier au nom de Jésus. Que les péchés soient pardonnés. Oui, pardonne les péchés dans ton église. Pardonne les péchés dans ton église. Oh, malabasha talama. Rablo sekele bashak. Oh, pardonne les péchés. Pardonne les péchés de mes frères et sœurs. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos péchés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Quelqu'un peut le dire ce soir. Pardonne-nous nos péchés. C'est comme ça que la guérison aussi se manifeste. Lorsqu'il y a la repentance. Lorsque les péchés sont pardonnés. C'est là parce qu'il y a certains types de maladies qui sont en fait la conséquence de péché. La conséquence de péché. C'est pourquoi ce soir, nous sommes en train de prier que Dieu pardonne les péchés. Nous prions pour l'Église. Nous demandons à Dieu de pardonner les péchés de son peuple. Pardonne nos fautes. Pardonne nos transgressions. Pardonne-nous, Seigneur, nos péchés. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons nous aussi. Ah, quelqu'un peut demander à Dieu. Peut-être, aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner. Quelqu'un peut dire à Dieu, aide mon frère. Je sais que mon frère a du mal à pardonner. Je sais que dans le cœur de mon frère, il a du mal à pardonner. Ainsi, il lui est impossible de vivre réellement la guérison. C'est pourquoi nous sommes en train de prier ce soir. Que, oh Dieu, Père, pardonne nos péchés. Mais aide-nous à pardonner. Aide-nous à quitter le péché. Aide quelqu'un à pécher, à arrêter de pécher, à quitter le péché, à quitter la vie de péché. Quelqu'un est peut-être retenu par un certain péché, mais nous sommes en train de prier. Père, guéris, donne-nous, Père, de quitter le péché. Et Robles, Malamacha Tabaya, Robles qui amène les mecs, nous sommes en train de prier, Père, pardonne nos péchés, pardonne nos fautes, Seigneur Dieu. Oh, pardonne nos fautes, hey. Pardonne nos fautes, Seigneur. Pardonne nos fautes, Seigneur Dieu. Oh, Emariando Lomosa Katabaya. Pardonne nos fautes, Seigneur mon Dieu. Pardonne nos fautes, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Dieu. Si nous avons péché contre toi, Père, si nous nous sommes rendus coupables de péché contre toi, nous venons demander ta grâce. Nous venons demander ta grâce, Seigneur mon Dieu. Emachatabaya. Nous allons prier, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, oh, oh. À
corps. Quelqu'un peut avoir ce corps repentant, dire à Dieu, pardonne-moi si j'ai péché contre toi. Des péchés, Père, duquel je suis conscient, ou même de ceux duquel je ne suis pas conscient. Pardonne-nous, Seigneur, de nos péchés. Pardonne-nous de nos fautes. Oh, ma shalamaya. Dis à Dieu, garde-moi. Garde-moi du péché. Garde-moi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi, Seigneur. Oh, garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux pour que je voie tel que tu veux que je voie, pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme, pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux pour que je voie tel que tu veux que je voie, pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme, Jéhovah, pour que je ne sois pas précipité dans un feu. Dis-le avec moi, dis-le, garde mes yeux. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux, Seigneur. Garde mes yeux pour que je voie tel que tu veux que je voie, pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Élève ta voix là où tu es. Dis à Dieu, garde-moi du péché. Au-delà du péché des autres, ce qui peut nous empêcher de vivre la guérison, c'est aussi notre propre péché. Seigneur, garde-nous du péché. Garde-nous du péché. Garde-moi, Père. Je ne suis pas à l'abri. Je ne suis pas à l'abri de péché contre toi. Je ne suis pas à l'abri de me rendre coupable de péché. C'est pourquoi je prie, Seigneur, garde-moi du péché. Garde-moi de m'éloigner de toi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi, oh Dieu, maléba chère. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi, oh Dieu. Garde-moi du péché. Garde-moi, Seigneur. Garde mes yeux, Père. Garde mes yeux. Garde mon cœur. Garde mes oreilles. Père, d'écouter ce qu'il ne faut pas écouter. Père, de peur de pécher contre toi. Père, garde mon cœur. Garde mon cœur, Seigneur. Garde mon cœur, Seigneur. De peur que je me rende coupable de péché. Père, je ne suis qu'un homme. Ainsi je peux le dire. Comme Saul, comme Paul. Père, qui me délivrera de ce corps de mort qui me retient encore? Alors que je veux faire le bien, je n'arrive pas. Père, lorsque je veux faire le bien, Père, j'ai besoin de toi. Père, parce que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais Père, très souvent le mal, Père, que je ne veux pas faire, c'est ce à quoi je me retrouve. C'est pourquoi je prie. Père, je viens te présenter nos faiblesses. Nous venons, Père, devant toi, présenter nos faiblesses. Aide-nous, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur Dieu. Carablo sec. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier encore. Vous savez, toujours lorsque nous parlons de la guérison, lorsqu'il est question de la guérison, il n'est pas toujours question du péché. Des fois, lorsqu'il est question de la guérison, lorsque nous voulons voir la disparition de tous les symptômes, il faut qu'il y ait délivrance. C'est pourquoi nous allons prier dans ce sens. Luc chapitre 13, le verset 10 au verset 17. Je ne vais pas prendre le temps de lire, mais c'est une histoire que nous connaissons. Luc chapitre 13, le verset 10 au verset 17. Ici, c'est l'histoire de cette femme qui était infirme. Alors que cette femme était infirme depuis 18 ans, elle était malade en d'autres termes depuis 18 ans. La Bible déclare que Christ vient vers elle et il prie pour elle et elle est guérie. Et alors qu'elle est guérie, ici, il ne dit pas qu'elle est coupable de péché. Ici, ce n'est pas ce que Christ dit. Mais ici, ce que Christ dit, c'est que cette femme était retenue par le diable pendant 18 ans. En d'autres termes, il y a certaines formes de maladies qui ne sont pas le péché, en fait, mais qui sont l'effet du diable. C'est pourquoi notre prière ce soir, c'est de nous opposer à toute œuvre de l'ennemi. C'est ce pourquoi nous allons prier.
alors que nous prierons pour ça, ce qui va se manifester, c'est aussi la guérison pour certains. C'est que certains se retrouvaient être malades peut-être, mais c'est en fait, se retrouver être captifs, mais en fait c'est la guérison qui va se manifester. Et nous allons prier dans ce sens. J'aimerais que nous puissions nous élever contre toute œuvre du diable, contre toute œuvre de l'ennemi contre nous, contre toute œuvre du diable dans nos vies, contre toute œuvre du diable dans l'église, contre toute œuvre du diable contre nous, contre nos proches, contre nos familles. Élève ta voix là où tu es, élève ta voix. Demande à Dieu, Malébacha Tabaya. Il a dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est pourquoi nous allons lier toute parole, toute œuvre de l'ennemi, tout hôtel qui a été bâti, élevé contre nous. Marebla Sevaï. Mélange Kevarate. Père, ce soir, nous venons nous opposer à toute œuvre du diable, à toute œuvre de l'ennemi. Malébacha Tabaya. Vas-y, élève ta voix. Baya baba 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 baba. Ce soir, nous venons nous opposer. Nous venons nous opposer à toute œuvre de l'ennemi, à toute œuvre du diable. Père, contre nos familles, contre nos proches, contre les membres de notre famille. Père, dans cette église, nous venons nous opposer. Père, à toute œuvre du diable, à toute œuvre de l'ennemi. Père, là où le diable s'est levé, là où le diable se lève. Père, nous venons menacer, nous venons déclarer qu'il n'a plus de place. Satan, tu n'as plus de place. Là où tu es, prends tes bagages et pars. Nous nous opposons à toi. Nous t'imposons de prendre tes bagages et quitter les familles, et quitter les vies, et quitter les vies dans le nom de Jésus. Toute maison que tu habitais, clandestinement, nous nous opposons à cela. Nous venons nous opposer à toi, là où tu étais, là où tu es, là où tout esprit se cache. Là où les esprits se cachent, nous venons demander maintenant la libération des familles, la libération de nos vies. Ah, quelqu'un peut déclarer ce soir que ma vie soit libérée, qu'une vie soit libérée. Ah, élève ta voix. Oui, que les vies soient libérées au nom de Jésus. Mais les bras des vagues, ah, qu'elle va chamane. Ah, nous venons prier. Quelle est ma chatabaya? Ah, venons déclarer au nom de Jésus, là où le diable est, là où le diable se trouve, là où l'ennemi se trouve, là où les démons se sont ligués. Marablosé, je ne sais pas où il se trouve, je ne sais pas où il a établi sa demeure, mais nous venons nous opposer à cela et nous venons déclarer à Bacha Tamaya, oh, qu'il plie bagage. Est-ce que quelqu'un peut ordonner maintenant ce soir au diable qu'il plie bagage? Qu'il laisse les familles, qu'il laisse l'église, qu'il laisse les enfants, qu'il laisse nos jeunes, qu'il libère les filles, qu'il libère les foyers. Ah, au nom de Jésus. Ah, est-ce que tu peux dire, libère ma famille, libère l'église, libère là où tu te caches dans la vie d'un membre de ma famille, dans la vie d'un membre de cette église. Nous t'imposons de libérer. Nous t'imposons de libérer. Nous déclarons que tu libères là où tu as établi ta demeure. Masha Tabaya. Ah, bien aimé, le diable détruit trop de vies. Bien aimé, le diable détruit trop de vies. Il y a des vies qui sont captives depuis trop longtemps. Ce soir, nous venons nous y opposer dans le nom de Jésus. Ce soir, Père, ce soir, nous déclarons la libération. La liberté, la Bible déclare, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Ah, c'est pourquoi ce soir nous venons le déclarer, Korebla Sefredegi Amdabashaya, dans le nom de Jésus, Korebla Edefache, Galabababosha, dans le nom de Jésus. Père, que les vies soient libérées. Que les vies soient libérées. Au nom de Jésus. Que les vies soient libérées. Au nom de Jésus. Que les vies soient libérées. Maman. Que les vies soient libérées. Au nom de Jésus. Oui. Tu es en train de dire au diable, là où tu es en train de tenir encore. Là où tu avais encore la main sur un domaine. Je t'impose de libérer. Je t'impose de libérer. Je t'ordonne. Oui, quitte les familles. Dans le nom de Jésus. Bien aimé, nous prions au nom de Jésus. Nous déclarons
Nous déclarons, et la Bible déclare, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sous toute forme de puissance des ténèbres. C'est pourquoi ce soir, nous venons user de notre autorité. Ah, quelqu'un use de son autorité ce soir. Nous déclarons au nom de Jésus, là où le diable avait établi sa demeure, qu'il libère nos vies, qu'il libère nos familles. Question de la disparition de tous les symptômes, vous savez, les symptômes peuvent quitter, peuvent partir, il peut y avoir guérison lorsqu'il y a manifestation de la gloire de Dieu. C'est ainsi qu'un jour on vient voir Christ et on vient lui demander, on lui dit, mais cet homme est malade, qui a péché dans sa famille? Qui a péché dans sa famille? Qui est celui qui a fait qu'il se retrouve captif en fait? Christ dit, c'est pas question de péché. Ici, ce n'est pas non plus question de délivrer cette personne qui est sous l'emprise du diable, non. Il s'agit de la manifestation de la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous voulons prier dans ce sens. Nous voulons prier que la gloire de Dieu se manifeste. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste, il peut y avoir guérison aussi. Lorsque la gloire de Dieu est dans nos vies, dans nos familles, c'est possible qu'il y ait la guérison. La guérison peut se manifester. L'une des formes que Dieu utilise pour manifester la guérison, c'est aussi la manifestation de sa gloire. C'est pourquoi nous allons prier dans ce sens. Nous allons demander à Dieu de manifester sa gloire. Tu vas dire à Dieu, Père, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire dans nos familles. Manifeste ta gloire dans nos vies. Manifeste ta gloire dans cette église. Vous savez, lorsque la gloire se manifeste, les paralytiques doivent marcher. Les hommes qui sont malades doivent se retrouver être guéris. Lorsqu'il y a un taux anormal de sucre dans le corps, le sang est purifié. C'est comme ça que nous voulons prier. Nous voulons dire à Dieu au nom de Jésus qu'il y ait la manifestation de sa gloire. Nous voulons dire que ton règne vienne. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus. Que son règne vienne au nom de Jésus. Marabla sekele messaya. Père, que ta gloire descende. Marabla sekele be. Ramanele be. Ah, nous voulons dire comme David, alors qu'il le déclare dans le psaume chapitre 57, le verset 6. Il dit que ta gloire se lève sur toute la terre. Ah, quelqu'un veut dire à Dieu, Seigneur, lève ta gloire, que ta gloire se lève dans ma vie, que ta gloire se lève sur toute la terre. Oui, que ta gloire se lève afin qu'il y ait guérison. Ah, ce n'est pas que j'ai péché, c'est une question de gloire. Ah, c'est une question de gloire, c'est une question de manifestation de la gloire. La question ici, c'est que Dieu doit manifester sa gloire. Ah, quelqu'un peut dire, Seigneur, manifeste ta gloire. Oh, mon rocher. Oh, Seigneur, fais-nous voir.
la gloire de Dieu dans l'église. Voilà. C'est là. Demande la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta propre vie. Lorsqu'il est question de la gloire, nous ne voulons pas vivre seulement la gloire dans l'église. Non. Père, alors que je marche, je veux ta gloire. Quelqu'un peut dire, comme Moïse, je veux voir ta gloire. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que ta gloire se manifeste dans nos vies. Ah, Esaïe déclare, Esaïe 60 déclare, que ta gloire se lève sur nous. Ah, que ta gloire se lève sur ma vie. Se lève sur ma vie. Ah, quelqu'un peut le dire. Ta gloire dans la vie de mes enfants. Ta gloire dans mon église. Ta gloire dans la vie de mon frère et de ma soeur. Père, je prie pour mes frères. Je prie pour Kizzy. Je prie pour Claudie. Je prie pour David. Je prie pour mes frères et soeurs. Je prie pour mon père. Je prie pour chacun. Je prie pour ma mère. Père, que ta gloire se manifeste, Malabashai. Vas-y, tu peux le déclarer, que ta gloire, que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de tes frères et dans ta propre vie. Vas-y, déclare-le, 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 Machata. Lorsque la gloire est là, la maladie s'enfuit. Ce sens. Nous voulons demander la présence de l'Esprit. Vous savez, la guérison, lorsqu'elle doit se manifester encore, lorsque Dieu envoie les disciples pour qu'ils manifestent les signes, les prodiges et justement la guérison, il faut que les disciples aient le Saint-Esprit. Ainsi, lorsque Dieu veut apporter la guérison, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit.
Il faut que le Saint-Esprit soit donné. Il faut que le Saint-Esprit vienne parce que c'est lui qui est le transporteur de la puissance de Dieu. C'est lui qui emmène la puissance de Dieu. Vous savez, je ne sais pas si on se rend compte vraiment du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est une merveilleuse personne. Le Saint-Esprit est une personne pleine d'amour et tellement, tellement bonne, tellement... C'est une personne. Et beaucoup pensent aujourd'hui réellement que le Saint-Esprit est un feu. Je me souviens, il y a quelques années, alors que j'étais à l'école, je débattais avec un de mes amis qui voulait absolument dire que le Saint-Esprit était une colombe. Mais dans mon cœur, j'étais irrité. Pourquoi? Parce que je sais que le Saint-Esprit est une personne. Et vous savez, le Saint-Esprit est tellement important. Il est tellement important que la Bible déclare qu'il est le gage. Il est un gage pour nous. Et vous savez, lorsque l'on parle d'un gage, lorsque l'on donne un gage, lorsque l'on dit que Dieu a donné un gage, c'est qu'en fait, on nous parle qu'il est le gage pour nous, qui nous scelle. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Il est un gage, il est notre gage pour justement attester justement que nous sommes enfants de Dieu et justement en attente du retour du Christ. Et lorsque nous disons un gage, vous savez, lorsqu'on donne un gage, on donne à quelqu'un un gage, on lui donne en fait quelque chose de valeur. Un gage, c'est pas un petit truc. Lorsque je donne à quelqu'un un gage, je lui donnerai quelque chose qui a une grande valeur, une très grande valeur. Et ici, Dieu donne un gage. Dieu donne un gage. Dieu donne un gage, et ce gage, c'est le Saint-Esprit. Comme pour dire que le Saint-Esprit a une tellement grande valeur, une grande valeur, une valeur inestimable, une valeur tellement importante que Dieu donne ça à l'Église pour dire, voilà, je vous donne ça le temps que je revienne. Comme ça, vous êtes sûr que je vais revenir. Lorsqu'on donne un gage à une personne, c'est pour lui dire, sois sûr que je viendrai le récupérer. C'est tellement important que je suis obligé de venir le chercher. Et j'aimerais que dans ce sens, nous puissions prier. Demander le Saint-Esprit. Demander que sa présence soit encore manifestée. Le gage du Saint-Esprit. Le gage qu'est le Saint-Esprit. Il a été donné pour l'Église. Et lorsqu'il se manifeste, justement, il permet la guérison. Alors nous voulons prier. Demander au Saint-Esprit, manifeste la guérison. Élevez nos voix, élevons nos voix. Disons-le encore. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Malébla et défaille. Ceux qui savent parler en langue, vous pouvez le faire. Saint-Esprit vient. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ah, le gage, le gage qui nous a été donné. Le gage qui nous a été donné. Le Saint-Esprit est là. Oh, ce qui se passe, oui, les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient. Lorsque le Saint-Esprit est là, les aveugles voient. Les paralytiques. Les enfants, les enfants, les enfants,
encore ce type de prière. Alors que nous prions pour la guérison ce soir, je vous ai parlé de toutes ces formes dans lesquelles se manifeste la guérison. Mais j'aimerais que nous puissions prier pour un type de maladie. Il y a un type de maladie qu'il ne faut pas négliger, c'est les maladies de l'âme. Et j'aimerais que nous puissions prier maintenant pour ces maladies. Il y a certaines personnes qui sont des fois malades de l'âme. Et des fois, c'est ce qui emmène en fait à une maladie en fait du corps. Et c'est pourquoi nous voulons prier dans ce sens. Nous voulons prier pour la guérison des âmes. La guérison des fois se manifeste dans les vies tout simplement lorsque l'on prie pour les âmes. Lorsque l'on prie pour l'âme. Lorsque nous prions pour l'âme. C'est pourquoi nous voulons prier pour les âmes maintenant. Nous voulons prier pour les... Simplement prier pour nos frères et sœurs. Nous n'allons pas prier pour nous maintenant, mais nous allons prier pour nos frères et sœurs. Ceux qui sont blessés au niveau de l'âme. Tu connais peut-être une personne qui est blessée, qui a été peut-être victime, je ne sais pas, d'un viol. Peut-être victime d'une situation très compliquée. D'une situation voilà, qui l'a rendu malade dans son âme. Qui fait qu'aujourd'hui, cette personne-là, elle est abattue. Elle est abattue et des fois ça se manifeste dans son corps. Elle a des problèmes de l'estomac, il y a des problèmes au niveau du corps, mais on ne voit pas les signes physiques. Nous voulons prier maintenant pour ceux qui sont malades au niveau de l'âme. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, prier dans ce sens? Nous voulons prier, Père, que les âmes soient guéries, Meroblos. Il a dit guéris de toute maladie, de toute maladie. Ainsi nous prions contre les maladies psychosomatiques. Les maladies de l'âme, Marémlo Sekla.
puissions prier maintenant pour les ados. Les adolescents viennent de commencer leur retraite. Ils viennent de commencer leur retraite là. Ils sont partis chercher la face de Dieu. Nous avons prié pour la manifestation de la gloire et nous voulons prier particulièrement que là où ils sont, que la gloire se manifeste. Qu'ils reviennent changés, qu'ils reviennent transformés, qu'ils reviennent impactés par la puissance de Dieu, qu'ils reviennent changés. Je crois que Dieu peut le faire. Dieu peut manifester sa gloire. Ainsi, nous voulons prier pour ces ados. Nous voulons prier que leur vie soit bouleversée, changée. Élevons nos voix là où nous sommes. Est-ce que nous pouvons prier? Nous prions. Nous prions au nom de Jésus pour ces jeunes. Kadosh, tu es puissant sur ton trône. Nous prions pour nos adolescents là où ils sont. Père, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire, mon Dieu. Manifeste ta gloire là où ils sont. Rekados lelai, reklide ans kemi adamas. Oh, tu es la joie de Zion. Kadosh, Kadosh, Almighty. Et avant de susciter cette conversion, Dieu, dans cette génération, viens susciter lui cette génération, Dieu, qui a décidé encore de te confier à sa jeunesse, qui a choisi, oh Dieu, certaines personnes sont malades, alors que peut-être que certaines personnes sont malades au niveau de l'âme. Nous voulons prier que ces temps d'évangélisation soient aussi des temps où Dieu va manifester sa gloire, de sorte à ce que les personnes soient guéries, de sorte à ce qu'il y ait disparition totale de tous les symptômes, de sorte qu'il y ait retour à l'état intérieur, retour à l'état de guérison, retour à l'état de santé. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Prions au nom de Jésus. Prions pour la sortie de demain. Manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta gloire, Seigneur, mon Dieu. Manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta gloire, Père. Manifeste ta gloire, ô Dieu. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Manifeste ta gloire, Seigneur. Père, alors qu'il y aura peut-être des malades, je prie, Seigneur Dieu, qu'il y ait
les miracles, Père. Qu'il y ait des prodiges. Qu'il y ait des prodiges, Seigneur, mon Dieu. Qu'il y ait des prodiges, Seigneur. Que nous puissions prier encore alors que nous prions pour l'église. J'aimerais que nous prions et nous puissions prier pour des ouvriers. Ok. J'aimerais d'abord qu'on puisse prier pour les ouvriers. Nous puissions prier pour les ouvriers. Là où nous sommes, j'aimerais que nous puissions prier pour les ouvriers. La Bible dit prier le Père de la moisson qu'il envoie justement des ouvriers. Nous voulons prier que Dieu permettre justement. Nous avons prié pour l'évangélisation, mais nous voulons prier justement que Dieu emmène davantage des âmes, davantage des personnes dans l'église, que nous puissions voir justement l'accroissement justement dans cette église, que nous puissions voir la croissance dans l'église. Nous voulons prier pour qu'il y ait la croissance. La Bible déclare, en ce qui concerne l'église, la première église, la Bible déclare que le nombre de disciples ne cessait de croître, de s'augmenter. Et nous voulons prier que cette parole s'attache à cette église, que le nombre de disciples ne cesse d'augmenter, que les disciples viennent encore. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Père, nous prions. Nous prions le maître de la moisson. Qu'il envoie des disciples. Ah, je crois que ce genre de prières sont importantes. C'est pourquoi nous sommes en train de prier, Père. Envoie des ouvriers dans la moisson. Envoie des ouvriers dans la moisson. Père, dans le département de l'évangélisation, dans le département des médias, dans le département de l'entretien, dans le département de la chorale, Père, envoie des ouvriers. Père, envoie des ouvriers. Père, dans le département du protocole, Père, dans tous les départements, envoie des ouvriers. Envoie des ouvriers à la comptabilité. Envoie des ouvriers. Envoie des ouvriers. Envoie des ouvriers, Père. Père, à la jeunesse, envoie des ouvriers. Avec les ados, envoie des ouvriers. Père, avec les enfants de l'école, envoie des ouvriers. Malais, blancs et des femmes. Envoie des ouvriers, Père. Envoie des ouvriers, Seigneur. Envoie des ouvriers. Envoie des ouvriers. Ah, dans la machette. Envoie des ouvriers. Ah. Le dernier sujet de prière que je nous donne, qui nous a été inspiré de notre frère, j'aimerais que nous puissions prier pour le couple pastoral. Nous allons prier pour notre pasteur ainsi que pour sa femme, ainsi que pour sa famille. Est-ce que nous pouvons, là où nous sommes, élever nos voix? La Bible déclare, priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Priez pour vos autorités. Alors prions, élevons nos voix, prions et recommandez-le entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Père, nous prions, Père. Père, pour le berger de cette maison. Père, pour l'ange de la maison. Père, nous venons prier, le recommander entre tes mains, Père. Père, nous venons te prier, Seigneur Dieu, afin de te le recommander entre tes mains. Afin que tu puisses le garder, le préserver, lui ainsi que sa famille. Te recommandons, Père, Père, maman Georgina, entre tes mains, Père. Garde-les, Père. Garde-les, Père. Garde-les à tes côtés, Seigneur. Que rien, Père, ne soit, Père, une montagne devant eux. Mais que toute montagne soit aplanie devant eux. Au nom de Jésus. Parce que tu leur as donné, Père. Parce que tu leur as donné l'autorité. Je prie, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur Dieu, que face à toute montagne, Père, qu'ils aient à franchir. Qu'ils aient, Père, à avoir la force. Qu'ils, Père, retrouvent même les montagnes, Père, aplanies devant eux. Au nom de Jésus. Nous prions pour eux ainsi que leurs enfants. Bénis-les encore. Garde-les fidèles à toi. Que rien ne les éloigne de toi. Dans le nom de Jésus. Donne-le, Père, de prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de leur âme. Père, donne-leur de prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de leur âme. Et qu'ils ne manquent de rien, Seigneur Dieu. En tout temps. En tout temps. En tout temps. Merci, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ces moments où nous avons prié pour la guérison. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu vas le faire. Ces sujets de prière que nous t'avons apportés. Père, nous croyons, Père, qu'ils ne sont pas en vain. Tu as dit dans ta parole, je n'ai pas ordonné à la postérité de Jacob de me chercher en vain.
Ce soir, nous ne t'avons pas cherché en vain. Ce n'est pas pour rien que nous sommes venus devant toi. Père, nous croyons, Père, que tu vas le faire. Et c'est pourquoi nous te disons merci. Merci, Seigneur Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ces instants. Et que la gloire te revienne. Bénis, Père, ces dîmes, ces offrandes que nous venons t'apporter. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, vous pouvez donner vos dîmes, vos offrandes par les différents moyens qui nous sont permis. Il y a ici donc le panier. Vous pouvez donc le faire ici. Alors, je vais nous donner juste quelques communiqués, après quoi nous allons donc laisser moment. Je crois que nous avons été bénis. Comme quoi on peut prier pour la guérison, mais en ayant vraiment beaucoup de sujets. Pas seulement un sujet, mais beaucoup de sujets, beaucoup de passages bibliques, justement, et beaucoup de vérités derrière la guérison. Amen. Alors, juste les programmes. Donc nous sommes là, donc vous le savez, tous les mardis, les vendredis, ainsi que les dimanches. Spécialement, vous allez le voir notamment sur les réseaux sociaux dès ce soir. Le vendredi prochain, nous aurons la grâce de recevoir une servante de Dieu qui viendra ici et va du coup diriger ces temps de montagne de prière sous le thème « Vivre le prophétique ». C'est notre sœur Maryse qui est donc de l'église Parole du Salut Épinay. Et elle va donc venir et nous allons partager avec elle donc ces moments dans la présence de Dieu. Donc nous serons là encore ensemble déjà samedi. Samedi, demain, il y aura la sortie d'évangélisation. Okay. Demain, il y a la sortie d'évangélisation. Donc, le rendez-vous est où? À la gare ou ici? À la gare. Ok, le rendez-vous pour l'évangélisation sera à la gare. Nous sommes priés, nous sommes invités, nous tous, à venir donc à l'évangélisation. C'est à Dourdan, à la gare de Dourdan. Alors, nous serons là aussi donc dès ce dimanche. Ce dimanche, nous sommes ensemble pour notre culte dominical. Comme nous savons, n'hésitez pas à venir. Dieu va nous faire encore expressément du bien. Amen. Alors, les ados ont déjà commencé leur retraite. N'hésitons pas à continuer à prier pour eux, qu'elles expérimentent la gloire de Dieu là où ils sont. Le rendez-vous pour l'évangélisation, je ne l'ai pas dit, mais c'est à 14h. 14h, donc à la gare de Dourdan. Autre information, nous aurons notre retraite des ouvriers le samedi 27 qui arrive. Le samedi 27, on sera ici pour toute la journée ensemble. On sera en retraite, tous les ouvriers. Nous sommes invités à venir, les membres de l'église, nous sommes invités à venir, à partager ces moments. Nous serons en prière toute la journée. Ça sera aussi des temps de communion fraternelle ensemble. Nous voulons nous restaurer ensemble. Le thème, ça sera combattre le bon combat, achever la course et garder la foi. C'est le mois de la foi. La foi pour les prodiges, et justement nous voulons aborder donc ce thème ensemble et prier ensemble. Il y a le camp vision qui aura lieu donc du 7 au 11. Tous les jeunes sont appelés donc à venir à clôture, enfin voilà, continuer à payer donc leur frais d'inscription donc à la retraite. Autre chose que j'allais oublier, demain encore la jeunesse à son Morning Sentinel Tower. C'est pour la jeunesse, mais toute l'église est invitée si vous voulez venir prier. C'est donc de 9h à midi. C'est voilà un temps où nous sommes en jeûne. Nous sommes en jeûne donc de 6h à midi. Et donc nous clôturons ensemble et on partage des temps. La semaine dernière, le frère Didier était là avec nous et ça nous a fait du bien. Voilà, tout le monde peut venir et profiter de ces instants. Je crois que c'est tout pour les informations. On va pouvoir se lever et clôturer. Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour ces instants dans ta présence. On priait pour la guérison, mais nous avons prié aussi, Seigneur Dieu, pour que tu viennes, Seigneur Dieu, manifester ta gloire. Nous avons prié, Seigneur Dieu, pour la délivrance. Nous avons prié, Seigneur Dieu, pour ceux qui étaient malades. Nous avons prié aussi pour
oui, pour que tu puisses pardonner les péchés. Nous prions, Seigneur Dieu, Père, que ces choses en question nous accompagnent. Père, que tu viennes nous garder toujours, nous préserver, Seigneur Dieu. Nous voulons vivre une atmosphère de gloire là où nous sommes. Nous voulons, Père, que les captifs soient libérés au nom de Jésus. Et nous voulons, Père, que ceux qui se rendent encore coupables de péché, Père, soient pardonnés, mais que tu puisses aussi les libérer du péché au nom de Jésus. Père, nous avons prié aussi pour que l'Esprit soit répandu, que l'Esprit se manifeste encore, que ton Esprit, que toi, Saint-Esprit, tu puisses encore te manifester, parce que lorsque tu viens, la guérison se manifeste. Ainsi nous prions, Père, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Bénis, Seigneur Dieu, encore chacun d'entre nous, nous recommandons à ta grâce, préserve-nous, garde-nous, Père, toujours à tes côtés, au nom de Jésus. Nous te recommandons, Père, la journée de demain, tous les programmes qui auront lieu, que ce soit demain ou encore dimanche, nous te le recommandons entre tes mains, dans le nom de Jésus. Amen.